Je développe des équipements pour des trains, alors plus particulièrement des métros. Il y a à la fois le côté technique, mais il y a aussi le côté managérial qu'on peut développer également. Le projet Riyad, où là il y a eu un défi qui était de réaliser un convertisseur qui est soumis à des contraintes climatiques. Donc ça nous a obligés à devoir être assez innovants dans nos choix. Super chaud à Riyad, il y a 45 degrés d'ambiance et en plus il y a énormément de sable.